Prêt et armé. Voyons si on peut trouver des membres de mon équipe. Je suis là pour Summers, rien d'autre. Summers a besoin d'eux pour son plan. On doit les faire sortir d'ici. C'est pas eux les responsables de cette merde. Peu importe, je vais pas me prendre la tête avec toi. Diaz, c'est Summers. Je suis désolé pour Ambrose. Il méritait mieux. Si seulement il était mort à proximité de notre base, on aurait pu le ranimer. Pour l'aider. Sale fils de pute! Il joue avec vos nerfs. Ignorez-le. Lâche. Veniez faire ici. C'est trop tard. Les machines tournent à pleine puissance. On me dit également que le vent répand les spores en quatre coins de la région. Ils passeront bientôt à la prochaine étape. C'est toujours les mêmes qui s'en prennent plein la tronche. Continue la patrouille. On est presque prêt à partir. On fait quoi pour les Delta Force? Restez alerte! J'ai décidé, il n'en reste que trois. Un est déjà mort. Chef!
convergez sur le tunnel du tramway. Intrus détecté en B16. Je répète, rendez-vous au tramway. Intrus détecté en B16. En plein dedans! Je t'envoie un comité d'accueil, des fois que tu te perds. À bientôt! Pierre, son père, un temps précieux. On dirait que tu l'as eu, j'ai une armée à mes côtés. Tu peux pas gagner. Ils m'apporteront ton cadavre. Docteur Weiss, comment vous êtes arrivé ? Peu importe. Essayez de remonter à la surface. Vous descendez encore ? Les revenants sont partout. Nous allons retrouver Summers, récupérer ce qui reste et partir. Summers est près de l'artefact, du vaisseau. Il a trouvé un moyen de le recharger. Il répand les spores xéno de plus en plus loin. On n'a pas l'étape le temps suivante... pour ça. On y va ! Retournez à la surface. Faites sortir les autres. Pierce, ils vont défoncer la porte! Attention! On va devoir se battre jusqu'au tram! Oh putain! Il nous contourne! À couvert! Il nous reste moins de 60 minutes avant que le Pentagone ne détruise. Leurs plans sont très précis pour cet endroit. Prenez le but du programme revenant. Nous les traitions tous comme du bétail. Enfermés dans des cages, dans le noir. Nous étions isolés. Personne pour nous ramener à la raison. Summers a mené la rébellion. Saleté de politicien et de médecin. Vous avez essayé de tout couvrir. Thank you.
vu ça ! Summers doit plus être loin. On peut descendre en rappel d'ici. Accroche-toi ! Pierce, sans tuer ! Je veux savoir pourquoi vous étiez avec nous en Irak. Cette histoire de médecin était une belle connerie. On m'a envoyé pour localiser le vaisseau. Pour le voir. C'était vraiment un vaisseau ? Il s'est écrasé en 1947. Les pièces ont été expédiées vers différents labos, aux quatre coins du pays. En cours de route, un fragment a été dérobé. On a fini par localiser ce fragment, dans un bunker en Irak. Je vais s'échapper.
qu'est-ce qu'il y a? Merde, ma corde est emmêlée. Attendez! Hassan, attention! Tu veux m'avoir? Alors viens me chercher! Meurs, meurs, meurs! Saleté de chien pieuvre! Non, non! Il n'y a plus que nous, Pierce. Ma jambe me fait très mal. On descend. Je vous suis. Pierce ! Oh, ils sont trop nombreux ! Salut, vieux! Ça, c'est pour m'avoir laissé en Irak. On n'abandonne jamais ces hommes! Pierce, à part ça, t'étais un bon soldat. Tu m'as botté le cul un sacré nombre de fois. Je me suis réveillé sous terre, sous tout ce béton. J'ai beaucoup pensé à toi. Je me suis rappelé ce que tu m'avais appris. Comment contrôler mon esprit quand la panique s'installe? La peur. Où est Noah? Tu sais quoi? Si t'avais été à ma place ici, t'aurais fait exactement la même chose. Ce pays est foutu! Tu le sais! Je le sais! Tout le monde le sait! Le système nous bouffe tout cru! Mais t'as juré de le protéger! Attention! Faut buter l'ennemi, Pierce! Où est-il? Juste ici! Je ressemble pas à un méchant, hein? Non! Non! Je suis comme toi! T'as gaspillé beaucoup de munitions sur les xénos. Mais ce sont les spores microscopiques, celles que tu ne vois pas, qui devraient t'inquiéter.
Elles se répandent. Elles sont partout. Dans l'atmosphère. C'est déjà fini. Je voulais te montrer un avenir meilleur, même si je devais t'y forcer. Mais t'étais trop con pour le voir! T'es coincé dans le passé. Tu crois toujours aux mensonges. Pierce, maintenant! Joli tir! Vous pouvez être fier, Dr. Wise! Abattez-le! Trouvez-la! Et tuez-la! Je ne peux plus vous aider. Vous devez arrêter Summers. Ne le laissez pas répandre d'autres sports Xeno. Il nous reste encore une chance. Je ne sais pas si c'est un vaisseau. Ou une fenêtre. Si je m'en tape, c'est de l'énergie. Alors je m'en sers. Dr. White, je vous réserve des projets très particuliers. Pierce, tu ne la connais pas, tu ne sais pas de quoi elle est capable. Elle m'a enfermé dans une cage. Pendant qu'elle était ici, à travailler sur ses saletés de programmes clandestins, à construire le robot du diable ou je sais pas quoi. Ah oui, je lui réserve un sort très particulier. T'as vu ce que j'ai vu, Pierce? Tu les as vus dans le vaisseau? Leur sang coule dans mes veines! Que penses-tu qu'ils vont faire s'ils arrivent dans notre monde? Penses-tu de protéger un système qui se fout de toi ?
sais pas si c'est un vaisseau ou... Ou une fenêtre. Puis je m'en tape. C'est de l'énergie, alors je m'en sers. Docteur White, je vous réserve des projets très particuliers. Pierce, tu ne la connais pas, tu ne sais pas de quoi elle est capable. Elle m'a enfermé dans une cage. S'est servi de mon équipe pour alimenter l'artefact. Hey, il va pas. C'est dommage qu'Ambrose et Grayson ne soient plus là. Il permettra de répandre le sport pas, Xeno. Sois mort sous tes ordres. Dans le monde. Essayez de couper les systèmes alimentant le rayon. Pierce, vous devez. Je savais, tu attaquerais tes semblables. Réfléchis. Tu vas tuer un de tes propres hommes. Tu as tellement été corrompu que tu es devenu aveugle. Tu fais partie de la machine. Quelle sensation ça fait, Eran? Quelle sensation ça fait? Il faut vous rapprocher! Descendez au maximum! Là! Il est là!
Capitaine Pierce. Attendez l'extraction. On va vous sortir d'ici. Emmenez-nous loin. Je ne veux plus jamais revoir cet endroit. On n'est pas en sécurité. Accrochez-vous. Vous avez réussi, Pierce. Vous avez arrêté Summers. Il ne reste qu'à voir l'étendue de la contamination. Il est retombé. Le nurse n'est pas toujours prendre les bonnes décisions. Parfois, c'est savoir nettoyer les dégâts.